Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonjour. Alors, cette critique, c'est par rapport à une série sur Netflix. Elle s'appelle Les femmes du téléphone. Alors, déjà, ça m'a été conseillé, c'est Thierry, par une collègue de travail, Sarah, que je salue. Alors, au début, comme je suis féministe, mes éditeurs, c'est peut-être inspiré d'une histoire vraie. Ou... Je me suis dit, oui, je regardais. Et ma femme elle-même m'en avait parlé, mais elle n'avait jamais vu encore. Alors, j'ai regardé l'autre jour. Comment dire J'avais regardé avec ma femme et dès le début, il y a plein de choses. Alors, non, c'est pas une histoire vraie. Non. Mais c'est pas grave. On peut très bien inventer une histoire dans le passé, bien sûr. On peut inventer une histoire d'espionnage, ou... mais qui se passe dans le passé, dans les années 30, dans les années... En 36, c'est parfaitement possible. Et je ne dis pas le contraire. Avec, on peut se permettre quelques erreurs historiques dans ce cas-là. Possible. Mais là, il y avait quand même, c'est que, comment s'appelait la chanteuse de... Il y avait une... Alors la musique déjà du film, c'est la musique moderne. Rien à voir avec la musique qu'il y avait en 36. Après bon, c'est gênant. Très gênant. Mais bon, pour ceux qui ne voilà, qui veulent pas se prendre la tête, bon, pourquoi pas. Mais dans le film, qui, dont l'histoire se passe aux alentours des années 30, allez, même dans les années 50, il y avait quand même de la musique moderne. Et les gens, dans le film, dansaient des danses modernes. Et de la musique moderne. C'est-à-dire qu'il y a de la musique de maintenant. Pas la musique de 36 adaptée, non, non. La musique de maintenant. Même si c'est pas une série historique, personnellement, moi, ça me choque. Pour un minimum. On peut faire quelques erreurs. Parce qu'apparemment, ils n'ont fait aucune recherche. Parce qu'en tout cas, voilà. Ils ont sans doute fait des recherches, mais là, pas vraiment. Et même l'histoire. Alors, ce qui est amusant, entre parenthèses, c'est que... comment dire... on savait ce qui allait se passer. Dès le début. Dès la première scène, on disait, ok, alors, elle, c'est la gentille, lui, c'est le méchant, son ex, dans la série, on ne savait pas encore qu'ils ont été ensemble. On dit, oui, ils ont été ensemble. Et lui, va la découvrir en train de forcer le coffre. J'avoue que c'est ma femme qui l'a dit en premier. Et ça s'est prouvé. À la fin de l'épisode, c'est le tête. Oui, il la découvre en train de forcer le coffre. Cet homme qui a été son ex. Voilà.
aucune surprise. J'ai vu le premier épisode, on l'a regardé jusqu'au bout, hein, pourquoi pas. En tant que ça soit une soirée gâchée jusqu'au bout. Mais par contre, le deuxième épisode, je crois qu'ils peuvent attendre. Ouais. Et même l'anglais de mes favoris. J'ai plutôt rigolé. Jaune. Mais bon. Voilà. Alors, si je peux me permettre un conseil, zappez. Oui. Il y a d'autres séries beaucoup mieux. Parce que là, moi, je me suis ennuyé. Voilà. Merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Rendez-vous à toutes et à tous pour une prochaine critique. Très, très bientôt. Au revoir, Kenneth, à Michel, au revoir.